Et salut à tous les amis, on est parti pour la partie numéro 9 de Outlast. Donc juste avant, vous avez pu voir qu'on a totalement défoncé ce mec là, on lui a mis un peu la jambon. Donc là on est plutôt content, on est plutôt safe, on va essayer de lui prendre son arme et de pouvoir se défendre, on va voir comment ça va se passer. Donc on est parti les amis. Donc là le Max il nous troll un petit peu là en mode troll lolo. Et donc let's go, let's go. Attends, je vais la faire comme ça. Il est vivant mais... mais non, mais il est pas vivant, comment je fais comment non. Ah casse-toi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Putain, le vieux try tout pour. Ah mais c'est là. Ah voilà, je peux ouvrir la trappe, nice. Nice, c'est bon. Ok, donc là je suis là. Donc en fait, puisque moi j'ai pas joué avec vous depuis le début, c'est un jeu douteux où tu es dans un asile et il y a des fous qui te courent après. C'est ça. D'accord. Exactement. Et pourquoi tu fais ça? En gros, c'est un... en fait, c'est un espèce d'enquêteur qui veut... qu'il se passe des trucs chelous ici, ils veulent prouver en fait. Donc, en bas ou en haut? Moi je préfère aller en haut, hein. Personnellement en haut c'est mieux. Bah si tu préfères aller en haut, c'est qu'il faut aller en bas. Tu n'as jamais fini ce jeu. Jamais, j'ai jamais fait, c'est la première fois que j'en suis à là. Mec, 40 fois là. On va voir, attends, est-ce que je peux voir ici? Ouais. Ouais, c'est en bas, d'accord. Ouais, mais parce que en haut c'est toujours plus safe en fait. T'avais déjà vu un jeu d'horreur où il faut aller en bas quoi? J'avoue. Faut aller en haut. Ah, ça, c'est d'accord pour un mec qui aime pas trop les jeux d'horreur, il a pas peur de courir. Ah, mais oui, non, mais en fait je préfère faire ça vite, tu vois. Ok, là je vois. Voilà, c'est ça, on va tout de suite. Oh, une pile, nice. Là, il faut que je passe derrière, d'accord. Faut que je passe entre les deux. Ah, c'est bon, un truc d'agresse. Bien. Attends, je vais enlever la lumière, pas besoin. Je filme juste. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans les armoires là en mode. Une petite pile, un petit truc comme ça là? Non, non, rien, ok. Attends, on va mettre un petit peu de lumière. Hop, play. On ouvre la porte. Putain, mais j'ai tellement peur d'avancer dans ce jeu quoi. J'ai laisse la porte ouverte parce que je suis sneaky. Donc là il y a une porte ici, j'analyse un petit peu pour fuir après hein, donc là si j'avance là, ok, donc là il y a un gros trou, déjà c'est suspect hein, genre what the fuck. La place qu'il y a. What the fuck man. Ça sent pas bon du tout, allez on court, on court. Thank God you survived. What the fuck, c'est qui qui parle là? Oh, c'est un flic, c'est un flic. Il y a un flic, Ah mais non mais lui c'est pas un flic, lui j'ai un ouf. Il va me défoncer. Le père Martin à l'extérieur. Ah non mais lui il est avec moi lui, ah oui c'est mon pote. Ah mais mec relativise. Mais je relativise pas mec, ce jeu est trop fort. Les prêtres violent pas les chinois, calme-toi. Okay, pourquoi un truc qui brûle comme ça? What the heck. Ouais, je pense pas qu'il y aura grand chose là-dedans. Ouais non, il y aura rien de toute façon ici, un 5K. Oula. Faut peut-être que j'arrive à viser les portes parce que c'est un peu mieux. Allez go là-bas. J'ai pas confiance. Oh, j'aime tellement pas ces endroits mec. Apparemment lui il a die. Ok, cet homme est mort donc je vais certainement subir le même sort prochainement quoi. Oh, un journal, j'ai vu. Nice. Oh putain de merde. Là bas est-ce qu'il y a un truc à faire là? Il y a rien à faire ici, ok. Non, ok, donc ici il n'y a rien non plus, d'accord. Mais je vois rien en fait, putain. Ça m'en fout en fait ce jeu, tu vois rien, t'es obligé de mettre ta putain de lumière. C'est pour ça qu'il est très chiant parce que tu vois même pas dans quelle direction. Comment je fais? C'est ça en fait, c'est pire mec. Donc, je vais aller chercher ça, j'ai ouvert ça tout à l'heure. Si si j'étais là. T'as les toilettes? Les toilettes, si, toilettes, j'ai été. Là j'ai été. Donc là il y a une porte, ok, donc ça doit être quelque part là, hein. Moi je pense que c'est là. Je pense qu'il y a un chemin quelque part. Ah non mais non, il a tout ça mec, c'est sûr. T'es sûr? C'est ça les toilettes. On est en train de se paumer en fait. Ok, on est en train de se paumer, putain merde. A droite, là j'ai pas été. Là j'ai pas été. Mais si, c'est les toilettes. J'ai eu là. Ah oui, j'ai pas regardé tout. Mais y'a pas un chemin dans les toilettes quand même, si. Ah si, t'as été dans. Si, y'a un truc. J'étais dans celle de droite. Attends, y'a pas un truc en haut là. J'ai déjà perdu. Pareil. Y'a rien en haut. Non, y'a rien en haut. Par contre, le truc qui brûle là, c'est chelou. Une bonne jambe rôtie. Ah, une bonne jambe rôtie. Non, ça va être avant. Ah oui, ça va être. Merde, wow, pourquoi je vais faire comme ça? Ah, j'aurais bientôt plus de piles mec, il faut vraiment que j'arrive à les prendre. Il faut vraiment que je trouve des piles putain. Il y a pas une qui est cachée. T'as pas de piles, tu dois galérer. Là, non, là c'est fermé. T'as pas de piles, c'est la merde. T'as pas de piles, c'est la merde. Donc est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Dans les vestiaires, dans les casiers. Ouais, on me dit sur l'IRC d'aller dans les casiers, d'accord. Parce que voilà, on a un petit peu d'aide quand même. J'ai cherché dans les casiers, d'accord. Pas un truc là-bas. Ok,
coup là je me cache, ok. Masse vestiaire, au moins là je peux masse me cacher. Quoi. Hein? Ouais, on va enlever. Y'a pas des piles quelque part là, putain. Là-bas, ouais, là-bas là. Ah bah là-bas, voilà, putain, j'ai pas été ici, je suis un tardos. Ok, donc ça, je peux pas aller là-bas, d'accord. J'entends des vieux bruits dégueulasses, mec. Donc ça, c'est pas par là. C'est forcément par là, d'accord. What the fuck? Ah, y'a rien ici. C'est mal, mec, c'est caché comme une V-Baldring, il a ouvert une porte, c'est caché. Voilà. Putain de merde. Je dois aller où là? Oh! À gauche, là, toi, t'as fait. Ah là! What the heck? What the fuck? Le mec a sauté dedans sans hésiter quoi. J'avoue en mode, ah hey, y'a du feu, mais NP, mais vas-y. T'as perdu un doigt? Bah oui, il m'a coupé un doigt l'enculé. Putain, mais mec, on voit rien. Non, y'a pas de mec, t'es sérieux? Ah là, y'a un mec. What the? Oh, attends, ok. T'es tellement gentil, lui, non, mais j'avoue. Il est posé pour un mec. J'avoue, il est plutôt posé hein, dans son. These things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. Oh putain, il est pas tout à fait normal. Il est pas tout à fait normal. Burn the whole goddamn thing now. Activez le système d'extinction automatique, d'accord. Oh merde, je vais mourir, mec, je vais mourir. Je dis peut-être que je peux passer. Là, je peux passer. Ici, je pense que je passe. Oh, je passe pas ici, putain, c'est où je passe? Là, je passe. Je sais pas. Là, je peux passer. Ici, je passe en dessous. Vite. T'as vu quoi par là? Attends, y'a rien là-bas. Je regarde au fond quand même. Si j'aime. Ouais, je regardais quand même au fond s'il y a pas un petit truc, une petite pile, un truc comme ça. Genre dans les poubelles, une petite pile jetée, non? Même pas? Un avatar, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, des piles. Oh putain, tiens, je peux pas courir en plus, sale pire. Par contre là, je suis un peu confirmé parce que si je veux fuir, je préfère laisser ouvrir. Ok, donc à droite, il n'y a théoriquement rien. Je vérifie quand même. Il n'y a rien. À gauche. Avant, avant. Il voit que dalle. Cadavre comme ça, masse cadavre, putain! Tellement à quoi est-ce que les mecs sont en l'air? C'est ça en fait, ça fait trop flipper! T'as la pire musique qu'il y a eu en plus là en mode. C'était là-bas, ok. C'était à droite. C'était ici. Ça sert à rien ici. Je regarde s'il y a pas un petit truc là. Putain, y'a trop de chemin là. Est-ce que cette porte est ouverte? Non, cette porte est fermée. Je sens tellement. Là, ouais. T'as pas rencontré d'ennemis depuis trop longtemps. Ouais, c'est ça en fait. Y'a pas d'ennemis pour l'instant. Ça sent le décès. Ah, y'a pas d'eau dans les vannes. Putain, faut ouvrir les deux vannes. Oh, ils me rendent ouf avec leur truc d'ouvrir les deux vannes. Putain. On avait déjà eu ça dans les égouts là, un truc comme ça. Ouh, what the fuck? Ah, t'es stressé, c'est bon, c'est un mec au fond du couloir. Non, c'est un gros mec avec des chaînes, il va te défoncer ta mère. Il va me défoncer marrant, c'est quoi tes moyens de défense contre les gars en fait? Okay. On peut pas les défoncer. Attends, mais il avance le con en plus, putain, mais il avance le con. Putain, mais je me planque, moi c'est mort. T'as aucun moyen de te défendre. Tu peux que courir. Tu peux tuer personne. Waouh. T'as jamais un couteau en feu incroyable. Ça, tu peux rien faire en fait. My god. Personnage qui se retient de respirer trop fort pour ne pas se faire repérer. C'est ça. Apparemment, ce moment est infâme. On va se calmer. Il est où là? En fait, tant que j'entends le bruit, ça veut dire qu'il est proche. Ah, il y a quand même un mec qui est dans le casier, c'est jamais une bonne idée. C'est pas lui qui tire la langue. On va. Je pense que c'est bon, ça s'est calmé là au niveau du son. Attends, non. Oh non, pas du tout. Pas du tout, merde. Ça tremble là. Non. Si je sors là, je vais me faire défoncer. Non, mais non, mais sors. Tous les mecs qui disent ce moment, il est infâme sur le chat, tu sais, pour bien te foutre au fond. Bande de gamins, attends. Mais là, je suis obligé de sortir au bout d'un moment. Genre, c'est une pire moment du jeu, t'sais. Il est là. Non, il est plus là, c'est bon. Il est parti ou il est parti? Ah, mais c'est un moment de. What? C'est un moment
le chat de la souris, ça, en fait, il fait le tour de la salle et toi, tu dois passer sans doute. Je pense que c'est ça. Il y a rien ici. Une pile. Attends, la pile quand même. Trop important, les piles, mec. Trop important, les piles, là, tu vois. Attends, j'ai un peu de ouf là. Oh non. Mais oh my god. Oh sa mère, sa mère. Mais non, mais t'es fou, mec. Mec, je ferme la porte et je me barre, mec. What the fuck, mec, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Run for your life. Le mec, il me dit, je m'occupe de toi, c'est un gentil bébé, mais casse-toi. Faut pas être un gentil bébé. Je suis nickel là-bas. Ah, y'a une vanne. Nice. Et là où la deuxième? Mais mec. Mais évidemment. Mais oui, mais comment je pense. Mais des stress, y'a deux gars assis dans un couloir et un gros qui passe en. Enfin, on s'en fout quoi. Et le gros il te tue et toi. Et le gros il me défonce, mec. J'évite. Et là j'ai ouvert une balle, lui il va me défoncer, champ. Oh là là, mais non, il va rien faire, regarde. Non, comme casse. Il lave son pote. Oh les gars quoi. C'est moi le mec, le pire mec. Et c'est toi le pire mec, putain, juste un fait. Oh. Ah, il est plus là le gros. T'inquiète, il est pas loin, ferme. Mais oui, il est pas loin, c'est le principe. Et là il t'a vu. What? Oh putain, je suis pas bien là. Putain, mais je vais aller où? Je vais aller où? Allez, là c'est bon, là c'est bon. Y'a pas une vanne ici, y'a pas une vanne vide. Oh la vanne, putain, mais je l'ai! Mais je suis trop balèze, mon gars! Putain, je suis tellement rapide que même les zombies ne me voient pas. Ici. Attends, mais. Mais il est pas là. Mais ça va bien, je viens en arrêter de hurler. Putain, mais. Oh merde, je suis pas bien. Il est là? Et là, il est là, je vais par toi. Ouais. Est-ce qu'il va venir me chercher ou pas? On se fait chier, tu veux pas y aller parce que ça a déjà lâche le pire vécu. Non, mais enfin, c'est bon, voilà, regarde, il est de dos, il te voit pas. Est-ce que je vais faire ça? Si je passe par là, regarde doucement par-dessus du haut et ton caméscope. Non, je sais plus où aller. Arrêtez, on s'en fout. Elle est partie à gauche et je crois que je dois aller à gauche, ça le truc. On lui met la douille, mais non, mais à gauche c'est un cul-de-sac, mais que fais-tu? Regarde, ça prend un petit truc, ok, non, y'a rien. Oh merde, je suis caché. Très... Je suis caché, il m'a pas vu. Il m'a vu. Oh my god, il m'a mis une droite. Cours. Putain, mais par contre, je vais aller où? Cours, vite, c'est là, je suis sûr, c'est là, mec, en plus. Mais celle-là, c'est la vanne. Il me voit pas. J'étais tellement rapide là. T'enlèves la lumière? Ouais, je crois. De toute façon, faut que je recharge. Là, je peux activer la vanne qui est juste à gauche là. Attends. J'entends pas le son, mais je sens que c'est pas bon. Non, je pense que là, c'est bon là. Y'a pas le son. Nice. Le père Martin à l'extérieur. Nice, maintenant faut que je parte par là-bas. C'est pas là. C'est où? C'est par là-bas, go. Putain, il flotte mec. Qu'est-ce que c'est là? Il me semble que c'est quelque part par là. Mais je suis plus sûr du tout quoi, c'est ça le truc. C'est à moi ou? On a pas le temps, mec. Non, c'était pas là, c'est d'avant. Ça par contre, autant je suspecte qu'ils sont pas passés le jeu, ils ont fait un peu, mais ça me stresse zéro quoi. Ah, c'est bon, c'est là. Tu sais que le gros il pète un vent pour se faire. Oui? Et alors? Et comment je vais à l'extérieur maintenant? On a bien vu, au pire il nous met une ou deux patates et bon. Ah, what the fuck? What the fuck? Oh mon dieu! Oh, c'est bon, oh le fils de pute! Oh mon dieu! Oh le fils de pute! Oh putain! Ah mec, c'est tout le monde! Mec, c'est bon toi! Oh, génial, bon, allez, go! Oh putain! Ah, les gars! Ah, j'ai mon cœur qui a dit non, mais en fait, je retourne. Oh my god, l'enculé en plus, il m'a juste. Hey, salut, je vais le faire peur! Sale bâtard, va! Oh l'enculé, putain, c'est mais bon, j'ai tellement disparu! Ça va, c'est fini, c'est pas ça! Le pire mec, bon, putain! On a eu peur une seconde, ça va! Ah, mais il m'a vraiment fait peur! Hein. Mec, ça réveille, c'est bien! Le mec infâme de fou! On va se coucher après! Oh putain! Je sais où je vais aller dans la maison, tout va bien! J'avoue. Eh, faut arrêter les mecs comme ça, là c'est bon, hein. Assez de frères pour aujourd'hui. Hein. Je vais aller à le dehors là, c'est où dehors? Ah, exit! Go dehors, exit! On va voir ça, de toute façon. Cherche le père Martin, mec. Où es-tu, père Martin? La caméra utile. Waouh, putain, ce jeu est vraiment beau quand même. Rien à dire. Où es-tu, mon cher père? Attends, on voit tellement rien, mec.
voit tellement rien. Ah là-bas, là-bas, ça par là-bas, là, je sais. Mais mec, ça peut pas être là, mec. Il faut me tuer, d'accord. Oh mec, mais dehors, mec, ça fait flipper tout. Mais le bruit fait... Oh il est là. Ah non, c'est pas lui. Putain, c'est un flic. C'est le... Wow. Oui, c'est le père, désolé. Oh, alive are you. Pas beaucoup, je suis pas très live là. Gauche, droite, droite. Oh, je crois que c'est pareil. Allez, go. Attends, t'as un truc. Attends, oh, non, okay, non, c'est fermé. Bon, allez. T'as un truc. Là, c'est bon, la grille n'est pas fermée. Si, elles sont fermées partout, mec. Tu peux pas. T'as pas un truc pour. Non, je vois rien, mec. Rien, t'as on voit rien, mec. T'as même pas de couteau, mec. Oh là là, mon dieu, mais c'est pas bouche. Ah, il doit être là, Père Martin, mon pote. S'il te plaît. T'es malin, il s'est caché. Pile nice. Quand même des ah, une clé. Ah c'est la clé pour aller au local maintenant, c'est ok, c'est au fond. Ça je l'ai. Nice. T'en vois rien, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je merde. Ça doit être là, c'est sûr c'est là mec, maintenant que tu veux faire ça. Ouf. Mais c'est bon. Je n'en sais rien, mais là on en est au point de sauvegarde. Mec, ça va, on est bien. Oh putain! C'est bon, on est arrivé au point de sauvegarde, les amis. Donc je pense que c'est la fin de on cette peut VOD. Hein. Je pense que c'est le prochain point de sauvegarde. Non, c'est la fin de cette VOD. Donc c'est, j'annonce la fin de la partie numéro 9 d'Outlast. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, les amis. Donc vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube LRB5 qui devra apparaître quelque part. Ici et donc là j'espère que voilà vous avez apprécié la compagnie de notre cher Dashari et de notre cher Max le troll juste là. Donc moi je fais de gros bisous, je vous invite à me suivre et je vous dis à la prochaine, ciao.